Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à tous en cette église Sainte Thérèse du Verbois à Saint-Dizier. Bienvenue aux paroissiens de notre quatre paroisses de Saint-Irénée, Saint-Maximilien-Kolbe, Saint-Dizier et Sainte-Bernadette. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ce temps de confinement grâce à notre page Facebook. Nous en sommes au troisième dimanche de Pâques, mais aussi le septième dimanche confiné. Nous sentons bien, ce temps n'est pas un temps vide. Nous avons ensemble cheminé dans la fin du carême. Nous avons ensemble vécu la semaine sainte et célébré le tridium pascal. Nous avons partagé cette joie de Pâques et même si, heureusement, nous sentons que bientôt nous pourrons sortir, peut-être pas encore tout de suite nous réunir dans nos églises, mais en tout cas nous savons que le Christ ressuscité nous rejoint là où nous sommes, nous invite à vivre notre vie de disciples, nous invite à faire de chacune de nos maisons ces églises où le Christ vient nous faire entendre sa parole, où le Christ vient rompre le pain. C'est bien ce que les disciples d'Emmaüs ont découvert alors qu'ils ont laissé Jésus surgir sur leur chemin. En ce temps de confinement, bien des intentions de prière nous sont données. Je vous propose que, en ce troisième dimanche de Pâques, nous portions plus particulièrement deux intentions, mais je voudrais aussi vous inviter, grâce aux commentaires que vous pouvez écrire sur Facebook, eh bien, ne pas hésiter à écrire vos intentions de prière. C'est vraiment important que, tout spécialement dans ce temps de Pâques, nous faisions monter notre prière tous ensemble devant Dieu. Alors servez-vous voilà, de cette technologie. Finalement, on ne peut pas le faire un dimanche quand on est réunis dans une église, mais on peut le faire sur Internet. Alors n'hésitez pas à écrire vos intentions de prière dans les commentaires. Tout le monde pourra ainsi les lire. Et puis, donc, voilà, j'ai reçu ces deux intentions. Le pape François nous invite à ce que l'Église soit toujours un hôpital de campagne. Alors, cette période est aussi, bien sûr, difficile pour tous nos frères et sœurs migrants. À Saint-Dizier, nous le savons bien, avec la conférence Saint-Vincent de Paul en particulier, nous essayons d'œuvrer aussi dans ce temps de confinement. Et cela est compliqué, difficile, pose des questions peut-être nouvelles, alors que l'Esprit Saint éclaire tous ceux qui ont à œuvrer pour les plus pauvres. Et puis, voilà, il nous est confié aussi cette intention de prière pour Sœur Geneviève, qui est décédée hier du coronavirus à l'hôpital de Langres. Sœur Geneviève est une sœur de la communauté de l'Alliance, la communauté qui est à Bourbonne-les-Bains. Alors personnellement, c'est vrai que je connais bien cette communauté puisque j'étais curé de Bourbonne. Nous avons beaucoup cheminé ensemble. Voilà, à travers cette prière pour Sœur Geneviève, nous voulons rejoindre tous ceux qui sont touchés par le décès d'un proche à cause de ce virus. Voilà, prions pour voilà, tous ceux qui sont en deuil, tous ceux qui souffrent en ce moment-là. Puissions eh bien, faire monter notre prière dans l'espérance du Christ ressuscité. Voilà, pour eux, pour nous. Nous implorons maintenant la miséricorde du Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant en amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Amen. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi.
Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans faute et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance. Il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux sur tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es le seul étranger vivant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, quels événements ? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous !» car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
Qu'il est magnifique, n'est-ce pas, ce passage de l'Évangile, sans doute que vous avez déjà eu l'occasion de le méditer, de contempler cette magnifique pédagogie que Jésus utilise pour rejoindre ses disciples sur leur chemin. Et nous savons bien que à travers ses disciples, c'est chacun de nous. Il y a Cléophas et l'autre disciple. L'autre disciple, c'est nous, c'est vous. Jésus nous rejoint sur nos chemins. Et là, le chemin de ces deux disciples, il est très difficile, il est même terrible. Pouvons-nous peut-être, tout de suite, là maintenant, penser à des heures difficiles de notre vie? Peut-être pour certains d'entre nous, pour des gens que nous souhaitons porter dans notre prière, c'est en ce moment même. Ces heures où la marche, où la vie se fait lourde, où nous ne voyons plus clair. Et c'est bien ce qui se passe pour ces deux disciples qui tournent le dos à Jérusalem. Ils fuient d'une certaine manière. Et on le sent tellement dans toute cette première partie de ce passage de l'Évangile qu'ils sont tristes, leur cœur est lourd. Et d'une certaine manière, on le sent bien, ils s'enfoncent dans leur désespérance. Ils n'arrivent plus à voir la lumière. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui on dirait, ils ne voient que le verre à moitié vide. Pourtant, et Saint-Luc ne manque pas de le préciser, ils ont entendu, voilà, les apôtres, les disciples, ils ont entendu Marie-Madeleine leur annoncer cette magnifique nouvelle de la résurrection de Jésus. Et on le voit bien même dans la manière de le raconter, de le rapporter à Jésus qu'ils ne peuvent pas encore reconnaître, mais ils disent simplement, bah oui, il y en a bien qui nous ont raconté ça, mais non. Rien, il n'y a rien qui fait, nous, on ne peut être que triste aujourd'hui et on est un peu perdu et on est déçu, alors on s'en va. C'est peut-être un peu dur de penser cela d'eux, mais moi j'aurais un peu envie de leur dire, mais c'est dommage, battez-vous un peu enfin, réveillez-vous. Vous avez entendu l'annonce de la résurrection, alors pourquoi êtes-vous si triste? Arrêtez de voir seulement le verre à moitié vide. Pourquoi ne pas choisir de voir le verre à moitié plein? Pourquoi ne pas choisir d'entendre cette annonce de la résurrection? Vous qui avez eu la chance d'être au contact de Marie-Madeleine, des autres femmes et des apôtres et encore des autres disciples qui ont vu Jésus. Alors bien sûr, ce serait un peu méchant de leur dire cela parce que on voit bien qu'ils ne peuvent pas reconnaître encore Jésus. Il leur faudra du temps. Mais heureusement, eux comme nous, nous savons que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu plein de bonté, plein de miséricorde. Un Dieu qui n'aime pas voir ses enfants sombrer dans cette espèce de déchéance, du doute, de la peur, de l'oubli de tous les bienfaits que pourtant il a réalisés pour nous. Peut-être que ces deux disciples n'arrivent pas à faire le choix de la foi au Christ ressuscité, alors Dieu vient jusqu'à eux, en Jésus. Tel ce frère qui vient marcher sur notre route, qui surgit sur notre chemin. Alors c'est toujours étonnant dans ces évangiles de la résurrection de voir que les disciples n'arrivent pas à reconnaître Jésus. Hein, pensons à Marie-Madeleine qui, au petit matin de Pâques, prend Jésus ressuscité pour le jardinier. Pensons aux autres apôtres qui mettent bien du temps, à saint Thomas la semaine dernière, à ceux qui étaient partis à la pêche. Et voilà, il aura fallu que ce soit saint Jean, une fois encore, qui dise « mais c'est le Seigneur ». Et Pierre, alors, accepte de le reconnaître de tout son cœur. À chaque fois, il faut
un certain temps pour découvrir que c'est lui, pour le découvrir dans la vérité de ce qu'il est vraiment, Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le ressuscité. Au fond, pour chacun d'entre nous, c'est peut-être là l'œuvre de toute une vie que de reconnaître Jésus, Fils de Dieu, en vérité. Nous savons bien que souvent nos yeux sont aveuglés et à chaque fois c'est cette étape nécessaire, peut-être, pas toujours facile. Ça me fait penser un peu, vous savez, quand on rencontre quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis très longtemps. Moi, ça m'arrive quand j'ai la joie de retrouver, par exemple, des jeunes que j'ai accompagnés pour la première communion, la profession de foi. Il y a, maintenant, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais maintenant, je peux parler de plus de 10 ans d'expérience. Alors, quand je retrouve ces jeunes qui, forcément, physiquement, ont bien changé, bien quelle joie, au bout de quelques minutes de discussion, de me dire, eh bien oui, je me souviens de toi, je me souviens de tes attentes, de tes espérances, aussi de tes difficultés. Pour certains, je me dis, ah oui, je me souviens bien de toutes ces heures qui ont été parfois difficiles pour bien des raisons différentes. Et alors, quelle joie de te reconnaître aujourd'hui dans ce chemin de vie. Eh bien, je crois qu'il y a de cela dans les disciples qui mettent du temps à reconnaître Jésus ressuscité. Et puis, dans ces semaines où nous pleurons aussi nos morts, pouvons-nous, dans l'espérance, se dire qu'eux, ils voient le visage de Jésus en pleine lumière. Et peut-être aussi qu'il leur faut du temps pour reconnaître Jésus. Alors bien sûr, en Dieu, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Alors c'est difficile pour nous d'imaginer un lieu sans temps et sans espace, mais quand nous prions pour les âmes du purgatoire, c'est bien cette belle prière aussi pour que tous nos défunts reconnaissent Jésus en plénitude. Sûrement que tout se fait en un éclair, et puis en même temps il faut ce temps de la reconnaissance en vérité, en pleine lumière. C'est une belle espérance pour nous que de savoir que tout cela découvre le véritable visage de Jésus ressuscité. Qu'ils accueillent cette belle lumière pleine d'amour, pleine de miséricorde. Et nous le voyons bien, les disciples, au fur et à mesure qu'ils passent du temps avec cet homme qui demeure encore un étranger pour eux, sentent en eux ce désir grandir. Reste avec nous, il se fait tard. Quelle belle prière! Puissions-nous la dire dans chacune de nos maisons. Reste avec nous, tu es notre soleil, sans toi la nuit risque de venir. Et c'est beau de voir dans l'évangile combien concrètement Jésus va les quitter, mais pour eux la lumière est là, et alors ils n'auront pas peur de reprendre le chemin dans la nuit, parce que en réalité ils seront dans la lumière du Christ ressuscité. Oui, Jésus ouvre leurs yeux à son mystère de résurrection. Et alors, ils progressent, ils grandissent dans la foi. Pour eux, tout devient possible, parce qu'alors, ils laissent Jésus raviver en eux le feu qui va brûler leurs doutes, le feu qui va les brûler d'amour, de charité. Le confinement que nous vivons toutes ces semaines-ci et pour encore un peu de temps, n'est-il pas un moment, un lieu dans notre maison pour laisser Jésus aussi allumer le feu, pour laisser Jésus brûler toutes nos tentations de doute, de découragement, de peur qui nous empêchent d'avancer, et laisser le feu, petit à petit, prendre et grandir en nous pour, comme les disciples, le reconnaître. Et le reconnaître tout particulièrement parce que là est le sommet de ce passage de l'Évangile dans l'Eucharistie, quand Jésus va rompre le pain, ce que nous allons célébrer encore ensemble, par-delà la distance. Puissions-nous vraiment reconnaître Jésus qui
rompt le pain pour nous. Puissions-nous le reconnaître qui vient à nous, jusque dans la communion spirituelle, que si vous le désirez de tout votre cœur, comme les disciples, vous pouvez recevoir dans l'écoute de la parole, dans Jésus qui se donne dans le pain rompu. Oui, puissions-nous vraiment le reconnaître, même si c'est vrai, ce n'est pas facile. Cette communion spirituelle, je crois, nous invite vraiment à creuser en nous ce désir de recevoir sacramentellement, cette fois-ci, le corps du Christ. Je comprends que pour beaucoup d'entre vous, parce que vous me le confiez parfois, c'est compliqué, voilà, de ressentir Jésus ressuscité. Mais voyons que les disciples, eux, le reconnaissent une fois finalement qu'il a vraiment disparu à leurs yeux. L'une d'entre vous, et je crois qu'elle nous suit, me faisait rire en me disant qu'elle faisait rire aussi apparemment son mari, voilà, au moment de la communion spirituelle, en tendant les mains vers l'écran. Et puis cette même amie me disait qu'un jour, elle avait loupé la messe de semaine sur Facebook parce qu'elle était au téléphone avec une personne en souffrance et qui avait besoin de beaucoup de temps d'écoute. Et je lui disais, mais alors, peut-être qu'elle est là aussi, la communion spirituelle. Quand nous ouvrons nos cœurs à toute souffrance, alors nous pouvons reconnaître que nous sommes en communion vraiment avec le Christ qui rejoint toute souffrance à travers le monde. Vous voyez, c'est là aussi une manière d'être en communion, que de porter le monde dans notre prière. Alors faisons-le vraiment avec le feu, parce que nous le sentons bien, cette communion, aujourd'hui, j'allais dire, grâce à, voilà, où je cherche le nom, enfin aux octets, voilà, qui nous rejoignent grâce à Internet, mais aussi quand nous nous réunirons à nouveau pour célébrer l'Eucharistie ensemble et communier sacramentellement, cette communion, elle est vraie seulement comme quand les disciples d'Emmaüs ont le feu en eux. Alors, oui, demandons au Christ d'abord cette grâce d'allumer le feu. Et demandons-lui, parce que cela dépend vraiment de chacun d'entre nous, eh bien d'alimenter ce feu et de le faire grandir. Oui, une fois encore, qu'il brûle nos doutes dans la charité, que notre cœur soit un pour le reconnaître qui est là pour nous, qui vient dans notre maison aujourd'hui rompre le pain. Et tout à l'heure, quand vous partagerez ce repas, voilà, que vous soyez seul ou en famille, eh bien, peut-être puissiez-vous, voilà, reconnaître le Christ avec vous à table et qui vient vous donner ce feu de l'amour. Et alors, puissiez-vous en vivre très concrètement, même si parfois dans une maison il peut y avoir des tensions, si ça peut être difficile, eh bien, puissiez-vous de tout votre cœur brûler tout cela dans le feu de l'amour que le Seigneur vient raviver ce dimanche en chacun de nos cœurs, comme il l'a fait pour Cléophas et l'autre disciple. Amen. En Église, proclamons la foi que nous avons reçue au jour de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la résurrection des morts, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Christ Jésus, notre Seigneur, afin que sa Pâque apporte grâce et joie au monde entier et soutienne tous ceux qui sont dans l'épreuve. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour l'Église universelle qui célèbre la victoire de la vie sur la mort, pour nos communautés dans l'attente de se rassembler de nouveau, pour toutes celles et ceux qui attendent de pouvoir recevoir de nouveau les sacrements, que ton esprit les soutienne dans la foi. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont dans l'angoisse ou simplement dans l'attente, pour ceux qui affrontent les conséquences sociales et économiques de l'épidémie, pour ceux qui sont malades ou dont un proche est malade, que ton esprit les guide dans l'espérance. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour toute l'Église domestique qui se retrouve pour prier ensemble autrement, pour celles et ceux qui donnent de leur temps et leur amour aux plus fragiles ou à leurs proches, pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté, que ton esprit soit sur eux source d'un amour toujours plus grand. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, en quelque manière que ce soit, dans nos maisons, au temps d'églises domestiques, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, vive et vivant, que ciel et terre.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
Il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit s'en fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, les humbles des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde. Par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
unis dans le même esprit, comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, nous redisons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien, je vous invite, là où vous êtes, si vous êtes avec d'autres, à échanger un signe de paix. Si vous êtes seul, et bien à pouvoir de tout votre cœur souhaiter la paix à quelqu'un de votre entourage. Seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion spirituelle, je vous invite à prier avec cette belle prière. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Unissons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces et nouvelles. La principale annonce, c'est que la messe est diffusée chaque jour du lundi au samedi à 11h30 à la même adresse Facebook. Un jour sur deux, nous partageons avec la paroisse Saint-Germain et Saint-Éloi à Nogent. Mais normalement, d'un côté ou de l'autre, en restant sur la même page Facebook, il y a un partage qui se fait. Alors la technique, on ne sait jamais trop, mais
ça doit marcher, on l'espère. Voilà. Quelques nouvelles du père Gérard Beuret, voilà, qui sont très réjouissantes, puisque le père Gérard devrait rentrer chez lui incessamment. C'est signe que, voilà, qu'il a pu reprendre des forces, et nous en sommes vraiment heureux. Voilà, je pense au nom de mes confrères aussi, je tiens à remercier toute cette belle chaîne de solidarité là, qui s'est mise en place ces jours-ci pour organiser son retour. Voilà, c'est Anne-Marie qui est un peu au cœur de tout cela, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont le souci de permettre matériellement un bon retour. Alors merci à vous. Des nouvelles aussi du père Bernard Feis, qui sont bien meilleures que les semaines passées. Il est sorti du coma, il est même revenu à l'hôpital de Saint-Dizier. Il lui faudra sûrement maintenant beaucoup de courage pour tout ce temps de convalescence. Alors voilà, soutenons-le encore de notre prière, de notre amitié. Il y a quelques nouvelles qui circulent aussi de malades de nos paroisses. Je pense à Conchetta, dont nous n'avons pas de nouvelles très récentes, j'en ai pas en tout cas, mais où c'est... Voilà, elle se bat toujours contre la maladie, mais je crois qu'il y a du mieux quand même. Il y aura prochainement, vous allez recevoir le journal paroissial en ligne. Nicole Thévenin, avec toute l'équipe de rédaction, travaille en ce moment à une édition spéciale coronavirus. Je ne sais pas si ce sera son nom officiel, mais c'est comme ça que nous le recevrons. Donc si vous avez envie de transmettre un témoignage sur la manière dont vous vivez ce confinement, s'il vous semble qu'il y ait quelque chose d'important à partager à tous, eh bien n'hésitez pas à envoyer à Nicole ou à un des membres de l'équipe de rédaction, ou à moi-même ou à d'autres qui feront suivre. Voilà, peut-être que mardi nous aurons quelques éléments sur le déconfinement de la part du gouvernement. Nous ne savons pas du tout ce qu'il en sera pour les messes. Vous savez que les évêques ont demandé à ce que nous puissions reprendre avec toutes les conditions sanitaires possibles nos célébrations au plus vite. J'espère que ce sera possible. Vous avez entendu peut-être qu'il y a 130 prêtres, voilà, qui ont signé une tribune. Moi-même, je l'ai signée depuis, en espérant qu'on puisse, voilà, vraiment reprendre rapidement nos célébrations avec, bien sûr, là aussi, toutes les mesures. Donc il y aura forcément des contraintes, mais je suis sûr que nous les accepterons du mieux possible, voilà, pour se protéger les uns les autres. Eh bien, nous sommes maintenant envoyés de la bénédiction du Seigneur avec le Père John, avec Jacques Dominique et aussi avec les Pères Joseph et Édouard, et donc voilà, à distance encore avec Gérard et Bernard. Eh bien, nous vous donnons, voilà, cette bénédiction de la part du Seigneur pour que, en ce dimanche, avec ces deux disciples d'Emmaüs, eh bien, vous ressentiez tout ce bien que le Seigneur veut pour vous, pour chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bon dimanche à tous. Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia.